Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le premier épisode du Let's Play de Resident Evil 2. On l'a attendu, ce jeu de ses morts. L'hype était vraiment, vraiment total. Avant la démo et encore plus après la démo. Il est là, il était jouable depuis. Il est jouable depuis minuit, depuis le 25 à minuit. Là il est présentement 6h du mat et on va se lancer dans le. Dans le jeu, petit disclaimer avant de commencer. Sur la démo, les mecs du forum Widescreen Forum Gaming avaient réussi à débloquer les cutscenes en 21/9. Il y avait aussi un fixe pour virer le Sharpen, il y avait un fixe pour le Fauve, il y avait un fixe pour le Vignettage, enfin il y avait plein de trucs. Malheureusement, les fixes de la démo sont pas compatibles avec le jeu final, donc il va falloir encore attendre avant d'avoir les cutscenes en 21/9, mais ça viendra probablement très rapidement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant le niveau de difficulté. J'ai commencé un premier épisode en hardcore. Il y a trois modes de difficulté, il y a facile, normal et hardcore. J'ai commencé en hardcore. C'est un jeu de tir, hein. Ne l'oublions jamais. Et ma visée étant ce qu'elle est, hein, faut toujours avoir ça à l'esprit. J'ai commencé le jeu en hardcore et je pense pas faire le. C'est pas que je pense pas, c'est je vais pas faire le premier run en hardcore, ça c'est une certitude. Pourquoi? Mais parce que ma visée est pas assez fiable et que pour tomber un zombie, les zombies random du début, il me faut 15 balles. 15 balles dans la tête, hein. 15 balles dans la tête, il y en a même qui sont pas morts. Et tu prends un coup de chicot, bim, t'es en danger direct. Sachant que j'ai toujours pas compris comment on pouvait esquiver ces fils de pute. Et qu'en plus, on a vraiment pas une visée fiable. Ça serait un peu présomptueux de faire ce jeu-là dans le mode de difficulté max d'entrée. Oui, c'est bien, mais moi je suis vraiment pas un mec des FPS et des TPS, et dès qu'il s'agit de viser, alors là, c'est la bérésina, Michel. Donc on va faire le jeu en normal, tranquillement. Voilà. C'est y part. Bonus débloqué, concept art. Oui. Parce qu'à chaque fois que tu joues, t'as des bonus, bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, dans les options, on met le jeu taf. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à la démo, hein, c'est les mêmes options. Sauf que ce coup-ci, on a mis le jeu taf, en DirectX 11, ça passe. 60 FPS sans problème. On joue au clavier souris. Parce que c'est quand même mieux qu'au... Je suis moins mauvais au clavier souris qu'au pad. Donc clavier souris sur le GMU, le jeu est taf, mais vraiment taf de chez taf. Et voilà, les bonus c'est ça, les modèles, ok on s'en fout. Campagne, on va faire une nouvelle partie. On va jouer Léon. Et on va jouer en normal. Alors il y a des costumes différents, il y en a des rigolos, il y en a même un qui permet de rajouter un filtre noir et blanc qui est plutôt classe d'ailleurs. On va jouer avec les costards de base, tout de base pour le premier run. Quand on fera le scénario de Claire, oui d'ailleurs ça c'est un truc important à dire. Il y a bien deux scénarios dans le jeu, moi jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que les premiers tests paraissent d'ailleurs. J'étais convaincu qu'ils avaient communiqué sur le fait qu'il n'y avait plus deux scénarios distincts, que c'était une seule aventure et qu'ils avaient mélangé tout dedans. Non, il y a bien deux scénarios. Tant mieux, tant pis, j'en sais rien, c'est comme ça me dérange pas plus que ça. On verra ce qu'ils en font. Et puis voilà, peut-être que pour le second run, avec l'habitude, on fera peut-être encore pour le scénario de Claire. Mais en tout cas, pour commencer le scénario de Léon, on va le faire en normal. Et voilà. Bon, on fait tout en normal et puis on va profiter, Michel. C'est parti. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know? So I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on.
Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink their teeth in you. Watch out, somebody. Oh, come on. Just getting good. Around. That's weird. Okay, bon. Allez, on contrôle la vue. Assiette. On se déplace avec ZUSD. Hello? Anybody there? Something's not right. Ah, Michel, là. Oh, Michel. Don't move. I'll be back for you. D'enfermer, manifestement. Hey, what are you doing? Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Hey! Wait now! Freeze! I'll shoot! Alors... Putain, mais quel abruti, bordel. What the? Shit. J'ai quand même réussi à en foutre deux à côté, c'est quand même grandiose, hein. Okay.
Accasse-toi, on va savoir tes histoires. On se casse, c'est tout ce qu'il y a. Don't shoot. Get down. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. And you are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be. Looks like we're walking from here. Now! I can't! Hold on!
okay? Yeah, I'm all right. How about you? Can't stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there. Voilà, c'est ça, t'as raison. Cassons-nous. C'est beau, Michel, hein. J'ai rien à savoir de votre histoire. Hop là. Le comico c'est mort. Alors, par où on va passer? Pose-toi, Michel. Non, non, mais on veut pas te parler, toi non plus. On veut parler absolument à aucun d'entre vous. Cassez-vous. Voilà, là on est bien. Ok. Bonjour. Comment ça va? Hello? Is anybody here? Allez, prends-le. Hein. Allez, on prend les balles, bien sûr qu'on prend les balles. Quoi? Ok, d'accord. Donc on peut sauvegarder. On a pas besoin de ruban là, dans ce mode de difficulté, il y a qu'en hardcore. Arme spéciale ajoutée, ce qu'on va faire... On va virer la clé. On va prendre... Alors il y en a 3. Pistolet glissé en acier, une gâchette argentée. Pour une meilleure prise en main et plus de précision. Un pistolet typé d'un arrêtoir de tulasse plus petit, permettant de dégainer plus facilement. Donc on doit le sortir plus vite, j'imagine. Et lui, celui d'Albert, il était optimisé pour des performances... il était personnalisé, pardon, pour des performances optimales. Plus de dégâts, écoute, on va prendre le flingue d'Albert. Est-ce qu'on peut... combiner... pas virer les balles? Mais merde. C'est-à-dire qu'on a fait le con, Michel. Putain, comment on peut faire? Putain, y'a des balles, je suis obligé de le prendre, quoi. Putain, mais on peut pas virer les balles, sans déconner. C'est quoi ce délire? On pouvait avant, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là, putain? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, putain? Oh là là. Ok, donc on va être obligé de se servir des 10 balles avec celui-là. Je suis pas sûr que ce soit ce qui est le plus intelligent, mais bon. There has to be someone here. Oh.
I gotta find that guy. On ira quand on aura fait le tour. Les médaillons, ça voilà. Voilà la clé de trêve de ces morts. Donc ça on est clairement dans la démo, sauf que on a pas le même costard, je me souviens plus pourquoi. On verra bien, je crois qu'il y a des balles là-bas. Enfin je crois pas, j'en suis sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de flingue, on va celui-là. Ok. Pas sauter de là, non. Essayons ton petit parcia, mon cher Léon. Tiens donc, on va faire une petite sauvegarde. Pas besoin de ruban dans la version quand on joue en normal, bon. Ma foi. Voilà, donc ça on va l'effacer, oui oui. Ok. On n'a pas le fusible. Il y a du monde au-dessus, manifestement. You got this. On peut pas ouvrir ça, hein. Ah bah bien sûr qu'on les prend. Et on recharge ce flingue là. Ok. Rien d'autre. Que c'est une place à chaque fois. Ok. Bon. Jesus. Open up. C'est la boucherie. Ouais, t'inquiète, on arrive. On arrive. On vérifie qu'il n'y a rien à buter. Et après on s'occupera de toi. Jesus Christ.
Ils sont plus légers comme ça. Alors, carnet d'un officier. Ok, donc la statue. Les trois médaillons pour descendre dans les égouts et remonter. Hop, parking. Ouais, ok, d'accord. Ah, mais oui, ça donne des. Il y a le code à chaque fois. Ok. Parfait. Allons, Michel. Rien savoir de vos histoires. Jesus, they're everywhere. J'ai pas fait gaffe, il se barrait sur le côté, j'aurais peut-être pu rentrer dans la pièce en fait. Ah merde. Merde. You're safe. For now. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Il va pas faire long feu, ce Michel, à mon avis. Le couteau de combat. Espace pour sortir le couteau et on attaque avec... Ok, vous pouvez contre-attaquer. Avec espace, ok. Ok. Le layout du... au clavier souris est vraiment bien foutu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le flingue de ces morts là qu'on avait. On va le virer, hein. On va le mettre là. Parfait. Est-ce qu'on en laisserait pas une dans le... Si, est-ce qu'on va faire ? Voilà. Et on va sauvegarder. Tac, oui, oui, non. Parfait. Ok, bon.
Il y a le truc qui est là, là. C'est la statue du lion de ses morts. Et le lion, c'est le blé, le condor ou je sais pas quoi, une tête de lion. Ok. Voilà. Parfait, oui, mets-le là. On va pas le garder avec nous, hein, on va le foutre dans le... On va le mettre dans le coffre, ça va nous encombrer plus qu'autre chose. Parfait, on refait une petite sauvegarde, ça coûte pas plus cher. Ok, bon. Ah bon, on est parti, Michel. Hein. Bien sûr qu'on prend les balles. Parfait, on devrait avoir de quoi faire là. Tout à fait, on prend aussi évidemment. Ah ben c'est parti. Alors faut pas oublier, je pense que par moment on peut récupérer une espèce de plaque en bois. Je pense que c'est pour bloquer les fenêtres. Charmant. Bonjour, bonjour. Ok. On est où nous? On est là. Ok. C'est quoi ça? C'est... Oui, là, c'est là où il y a le... C'est là où il y avait le... Comment ça s'appelle? Le... Le disjoncteur, là. Ok. Voilà la clé de trèfle. Puis la merde, ça, Michel. Et on peut rien faire, heureusement. Le sound design du jeu est particulièrement réussi. Et on va pas pouvoir t'empêcher de rentrer, malheureusement, toi. Ah oui. Ah bien, ouais, Michel, c'est vraiment... Shit. Putain, merde. Elle est pas morte. Oh, what the hell? Putain.
J'ai vraiment fait de la merde avec le couteau, putain. Putain, j'avais 26 balles, j'en ai plus que 18. Putain, mais c'est... J'en ai foutu, je sais pas combien à côté. Ok, on peut passer par là. Je vise vraiment très très mal, putain. Ah. Parfait. En santé, on est bon, hein, on est parfait, on est ok. Rapport d'événement. Le 25 septembre, le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens, alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. Addendum. L'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit, faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait qu'une réaction au stress intense. Le 26 septembre, une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité. Mais nous sommes cernés, nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. Le 27, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées et il ne reste qu'une poignée de survivants, tout sombre dans le chaos. David Ford. Ah bien. Le plan du commissariat du premier étage, on le prend, bien sûr qu'on le prend. On peut passer par en haut, je crois que c'est ça qu'il faut faire, mais... Ici, là... On peut pas passer... Putain, un bâtard... Les balles, hein, évidemment qu'on prend les balles. Putain, la tête elle est explosée direct quoi. Ça c'est bien par contre. Ça c'est bien. Peut pas passer, peut pas ouvrir. Toi, si tu te relèves, je me considérerais officiellement comme comme étant baisé. Hein. Parce que là, on se foutra de ma gueule. Hein. Toi, tu vas te relever, évidemment. Bureau ouest, et on peut monter. Salle des casiers à gauche, d'accord. Donc on va d'abord aller faire la chambre des casiers. Et sur le côté, il y a la chambre noire, c'est ça. Hein. Ça continue, faisons d'abord ça là. Ok, une note. Note terminale des casiers. Il semble que certaines touches manquent sur le terminal des casiers. Je conseille au responsable de trouver des touches de rechange et d'arranger ça. Fils, ça, tu sais de qui je parle, enfoiré, qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Ok. Si on fait 102, il se passe quoi? Ok, ça marche pas, il faut trouver les... Ok. Là, y'a je sais pas quoi, là, y'a... Ok, c'est... Des munitions... On n'a pas la carte encore... Whoa!
Now what? Putain, enculé. Hein. Shit. Un enculé, hein. Et... visage de la poudre noire. Mission pour pistolet 2 poudre noire, fusil noir et jaune, et pour un magnum 2 jaunes. Il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat, alors utilisez la poudre que vous trouvez à bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spécifiques. Réfléchissez bien en combinant les différents éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et... oh, t'es sérieux? Ah bah oui, mais rapport d'opération. Le 28 septembre à 2h30, on n'est plus que 4 ici, pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies, mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Elliot Edward. Ça, c'est le mec qui a perdu ses jambes. Alors, Léon Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Ensuite, les lettres. Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a 2 serrures, une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les 2. En gros, votre point de tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues, mais vous aviez compris, pas vrai? Se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif, le temps branaille. Ok, t'as de la chance de pas être là, le bleu. Ok. Donc là, c'est F, E, F, C, E, F. Y a pas de C, donc on va dire que c'est ça. Hein. Y a un F là. Donc, c'est les prénoms ou les noms du coup? De nos prénoms, oh là le mec. David, Elliot et donc ça va être Ned. Très bien. Ok. Il m'inquiète ce fils de pute là. Ah, évidemment Michel. Putain, mais c'est pas possible. God damn it.
Tiens, y a pas. Donc c'est R, c'est Rita. On s'est fini par RM, mais y a pas le nom de celui-là là. Ouais, si c'est par terre. GRM. Non, c'est pas ça. C'est quoi le premier, putain? C'est bien un G, je suis pas... pas débile. C'est un G, là y'a pas de G, G nulle part. Ok, donc c'était du coup, on va faire l'inverse. Ça va être M, MRG. Ok. Un charge pour le Matilda, putain. Fuck. N'a rien à foutre. Putain. Quoi? C'est faux, cette clé là. Ah, c'est lui qui s'est relevé. Ok. Ah, putain de bâtard. Eh hey, c'est bon, t'es mort. Eh hey, putain, mais les mecs ils crèvent jamais, bordel. Putain, mais... putain, mais il leur faut combien de balles aux mecs pour crever, bordel, putain, c'est quand même pas croyable, ça. Pas de refus. Ok, donc par là on peut pas Oui voilà, si c'est par là-bas qu'on pouvait pas aller. Ok, donc c'est par là qu'il faut aller. Et on a plus de balles, on est pas content. Oh là là. On aurait pu arrêter l'épisode là, Michel. Non, je veux rien savoir de tes histoires. Une plante. On va prendre la plante. On va prendre ça aussi. Tout à fait. Voilà. Ça t'ira baiser ta mère. Bon. Putain, foiré. Ah oui, je prends les balles, bien sûr que je prends les balles. Ok. On est là, on va voir s'il y a là. Ouvrir. Bah t'es mort de toute façon toi, non?
Oh. On va essayer tout copier, mais je suis pas sûr que. Il n'y a pas FBI. C'est bon. Ah. Non, on va pas les prendre maintenant. Ça, on a pas de fusée de toute façon. Y'a rien. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante. Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre, une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer toute la séquence. Ok. On peut pas... Ah, je suis obligé de... Putain... Vous pouvez examiner un objet sous tous les angles en sectionnant. Ok, donc c'est tac. Donc ça fait... Non, non plus. Ok, tac, tac. Non, putain. Ah, ça y est, je me suis remêlé les pinceaux, Michel. C'est ça en premier. Non, c'est pas celui-là en premier. C'est celui-là. Tac, tac, tac. Non, c'était celui-là, putain, oui. D'accord, donc c'est... Celui-là... Celui-là, celui-là, celui-là. Ça, ça va être l'avant-dernier. Donc ça, c'est avant-dernier, dernier, donc c'est celui-là. D'accord, donc c'est... Tac. 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 Putain, je... Le deuxième. Ça, j'ai déjà oublié, Michel. Voilà. C'était celui du haut, putain. Après, c'est celui-là. Donc, c'est... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. La vidéo. Ok. Putain, mais non.
Quel abruti, oh là là, je vais jamais m'en souvenir. tac. Putain, mais. Oh, mais je me gourre à chaque fois, mais c'est pas possible. Putain, quoi? Tac. Ah bah Michel. Un petit objet en plastique. Ok, une touche du... D'accord. Alors on est content. On va aller la mettre tout de suite comme ça. Attends, on va finir l'étage. Je crois que cet étage-là, de toute façon, il n'y a rien derrière. Ah bah ouais, mais... On va te laisser là pour le moment. On va redescendre, virer un peu tout notre merdier. En espérant qu'on se fasse pas embrouiller sur le chemin. Tu m'expliques d'où tu sors, FDP, toi. Hein. Putain, on était passé par où, bordel? Ah oui, salle des opérations derrière sur la gauche. Putain, mais nous on est pas... Mais... On est arrivé par la réception, on est passé là, on a fait le tour. Ah oui, je suis passé par en haut. Oh là là, bah ouais, je suis baisé. J'ai pas le choix que d'avancer, putain. Oh là là. Y a pas le choix. On va tracer. Hein. Oh non. Putain, enculé de ta race. Oui, oui, t'as raison. Non bah si, ce qu'on peut aller faire c'est mettre déjà le... La touche. C'était où? C'est dans ce coin là, voilà, c'était là. Déjà ce qu'on va pouvoir faire c'est... S104 S106 S109. On aurait peut-être pu le faire avant ça quand même, Michel. Et là, de ce côté-là, il y a 203, on peut pas l'ouvrir. Putain, 203, ça aurait été pas mal pourtant. 208, on s'en fout. Putain, 203, ça aurait été bien de pouvoir l'ouvrir.
Tant pis, on va déjà prendre. Les munitions. Quoi ça? Pellicule. Bordel, 14. Oh, c'est bien ça. Ah, ça c'est bien, ça, Michel, tu vois. Ça c'est bien. Ok, donc on est déjà mieux là. Bon. Voilà, voilà. Bon, ce que je propose, Michel, c'est qu'on fasse la pause là et puis on va continuer immédiatement la suite. Mais sur le. Lors de la prochaine vidéo. Voilà, bon bah c'est cool pour le moment. Le jeu est marrant, il y a de l'ambiance. Voilà. Mode hardcore, j'en regrette de pas avoir fait le mode hardcore, mais faut voir comment je vise déjà en normal, comment j'y galère pour buter un zombie. Et en hardcore, tu vis tout un chargeur et tu ne les as pas tués. Et tu prends un coup de chico, c'est bon, t'es en danger, donc c'est tombé. J'ai pas le niveau requis pour ça en tout cas maintenant et je doute de l'avoir un jour. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, c'est pas que c'est ma tasse de thé, j'aime bien Resident Evil, hein, mais c'est pas mon. C'est pas mon champ de compétences, on va dire, voilà. Je suis un casu dans ce genre de jeu. Bon, en tout cas, on a hâte de voir la suite, même si pour le moment on a fait la même chose que dans la démo, mais de manière un peu plus poussée. On a hâte de découvrir la suite. Voilà. Salut les gens.